Bonjour, bonjour à tous, sur le Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Planet Zoo, pardon. Planet Zoo pour la suite de la construction de la zone ferme, où, alors, à moins d'une erreur de notre part, ce qui pourrait complètement être possible, hein, nous avons mis toutes les espèces qu'on voulait mettre dans le zoo, enfin dans la zone ferme, c'est-à-dire l'enclos ici, poulet cochon, enfin poulet porc, l'enclos ici, vache chèvre, l'enclos ici, cheval, et l'enclos ici, j'ai pas renommé, âne, et mouton. Sans S bien évidemment, parce qu'il y en a plein, tout simplement. On a tout fait, les enclos sont parfaits. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est s'assurer que les visiteurs ne jettent pas tous ces déchets par terre et de leur mettre des petits coins de pause. On va s'installer. Ah, ça va nous permettre de voir si du coup, il y a un truc de construction, enfin une déco. Des bancs. Des bancs avec le DLC. Mais je crois pas. Asie, zone humide, tropicale, réservation, prairie, crépuscule. Ferme. Ah si! Et le petit banc rustique. Allez, moi, les petits bancs. Oh là là, en paille. Bon, c'est sympa. Allez, je les mets. On va mettre un petit banc ici. Alors par contre, ici, il y a un petit souci au niveau de l'allée. C'est bien. Comme ça. Comme ça. On met des bons. Moi, c'est un truc qui m'énerve en vrai. Et comme dans la vie de tous les jours. Hein. Tu sais, quand tu t'achètes un sandwich et que tu te dis, tiens, je vais me poser pour manger, et que tu trouves pas de banc, franchement, c'est insupportable. Quoi. Pourquoi il n'y a pas de banc? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, tiens, on va pas mettre de banc? En vrai. Après, il y en a peut-être un peu beaucoup là. Je vais espacer un peu. Tac. Là, je vais les mettre de l'autre côté. Comme ça. Je suis d'accord surtout sur les quais pour attendre le train. Mais grave! Vérifie que tu as enregistré le nom d'habitat. Ah ouais, je vais regarder ça. C'est insupportable en vrai. À croire que ça coûte une blinde. Ça va être des bancs. C'est bon, c'est enregistré. Du coup, bon. Mais ça m'a pas l'air mal, hein. On en a mis à peu près partout. On va en mettre là. Ici. Et les petites poubelles, bien évidemment. Ah, pas envie d'en mettre à l'intérieur, mais malheureusement, c'est l'impression que c'est obligatoire. Hein. Les gens sont dégueulasses, en fait. Hein. C'est chiant. Ce système est chiant, je trouve. Ils auraient pas dû enlever l'autre. Ils auraient dû mettre les deux systèmes. Ok.
Hop. 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 Je vous laisse, bonnes vacances, Roy. Merci, Katniss. Bonnes vacances, on ne sait jamais. Merci à toi. Il n'y a tellement pas assez de bancs. Moi, c'est surtout le manque de poubelles qui m'agace. Je suis d'accord. Ah, quoique, j'ai passé un week-end, là, à Orléans. Petit week-end en Labreux, tu vois. Très sympa. J'avoue qu'il y a un truc qui m'a choqué, moi, à Orléans. Au centre-ville, hein. Plein centre-ville. Hein. Je sais pas s'il y a des Orléanais parmi vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, permettez-moi de vous dire bravo. Parce que j'ai jamais vu une ville aussi propre de ma vie, quoi. Ça m'a impressionné, quoi. C'était clean. Pas un papier qui traîne, pas un chewing-gum, pas un caca de chien. Bon, il y a des petits coins où ça sent l'urine. Bon, voilà. Mais c'est tout. Après, c'était nickel. Pas un mégot de cigarette, rien. Moi, ça m'a impressionné. Honnêtement, j'ai vraiment été impressionné, quoi. Petite table de pique-nique, j'aurais bien mis, en vrai. Elle est sympa avec le petit truc, là. J'avais pas pensé à ça. Et du coup, il y avait des poubelles. Enfin, il y avait plein de poubelles. Et tu vois, c'était des poubelles où c'était accroché au pied des poteaux, quoi. Un poteau feu de stationnement, enfin feu de feu rouge ou comment ça s'appelle. Je sais pas si je peux utiliser une grille ici. Hein. Complicado. Angle 90. Je vais faire ça en vrai. Je vais juste décaler ça. Le bon là, il est pas si mal. J'en mets un de l'autre côté peut-être, mais ou pas en fait. Je vais juste mettre des tables. Aligner sur la position. Alors cette petite table. Fort sympathique. En paille encore. C'est fou ça car les gens sont tellement crades et respectueux de la nature. Chez moi j'ai le gars du dessus qui me lance ses mégots, je lui ai envoyé un courrier de fou. Qui lance ses mégots? Non mais attends. Ça m'exaspère. C'est aberrant. Bon au niveau de ça c'est pas mal. Je vais regarder au niveau lumière. Alors attends, c'est pas là. C'est dans construction peut-être. Éclairage. Pack de contenu. Ferme. On n'a pas d'éclairage ferme. Dommage. Lampadaire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme lampadaire qui fait un peu ferme? Oh, des citrouilles, incroyable. Attends, il y a des champignons. Torche tiki. Qu'est-ce qui pourrait faire un peu une lampe murale? Mais attends, mais je te demande lampadaire, mais pas une lampe murale. Ça potentiellement. Cette lampe-là potentiellement, ça peut être sympa. Attends, mais c'est pour faire le village de Toad.
Ça fait un peu beaucoup, je sais pas trop quoi mettre. J'aurais vu un truc un peu torche, mais. Mais ça fait un peu trop, quoi. C'est dommage qu'il n'y en ait pas, car ils ont. Ils font tous ville. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ou alors, puisqu'on a mis des murets partout quasiment. Une lanterne sur les murets, quoi. Mais des lampes sur les murets, ouais, bah voilà. Des guirlandes? Lanterne, tiens, elle est sympa celle-là. Elle fait tout à fait classique. Alors par contre, je sais pas s'il y a une touche pour éviter de poser forcément. Est-ce qu'on va passer de nuit? Ça marche vachement bien ces petites lanternes là. Attends, mais bon, c'est qu'il n'y a rien là. Faut l'allumer? C'est cette lanterne qui sert à rien. Faut mettre une bougie dedans. Ah, faut prévenir hein, s'il faut mettre une bougie dedans. Bougie. Ah bah oui. Ouais, faut mettre une bougie dedans. Ah, c'est un peu. D'accord, ok. T'as l'électricité. Ouais, en fait, on a. On a l'électricité infinie. Après, peut-être que la bougie est un peu. Attendez, on va essayer avec une bougie un peu plus petite, peut-être. Je pense que c'est plus ça. Parce que là, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Là. J'imagine qu'elle suce pas les bougies, donc. Ok. Je savais pas pour les bougies, excellent. Bah, moi non plus, hein, c'est ce que j'ai pensé en me disant, tiens, comment ça se fait, peut-être qu'il faut une bougie. Il est celui-là. Bon, je pose sur les cailloux. Hein. On s'embête pas. Hein. De toute façon, là, on a la hauteur. Hein. Et si je l'ai mis dans un creux, on sait pas trop pourquoi. Ça éclaire pas les basses, hein. Mais bon.
Je sais pas si on peut régler l'intensité de... Ah, c'est perturbant. C'est plus simple à poser sur le bord de route quand même. Parce que j'aimerais mettre un écart à peu près... Pas pareil quoi. Mais... Ouais, tant pis. Hein. On se laisse, on y va à l'instant. Il aurait surtout fallu poser les murets avec des lanternes directement. Bon, là, on voit pas parce qu'il y a le jeu qui s'est dit que c'était intelligent de poser la clôture quand on pose ça. Enfin, de montrer la clôture pendant qu'on pose ça, mais bon. Tiens, au-dessus de la poubelle. Ça, ils diront pas. Ah, je l'avais pas vu. Wow, on n'est pas arrivé, hein. Ok. Alors... Ah, c'est vrai que ces murets, je les avais baissés. Vous voulez voir un lampadaire? Ça éclaire pas les masses, hein. C'est frustrant de s'embêter à faire ça alors que si ça se trouve, ça ne rendra rien. En même temps, on ne sait pas si ça rendra rien puisqu'on ne l'a pas fait. Voilà, bah ça sert à rien. Là, c'est des haies, donc compliqué, mais de toute façon, il y a un petit peu d'éclairage des magasins. Si on peut se mettre un petit peu d'éclairage, c'est sympa. Ici, tiens, on n'a pas mis de déco là. On revient par ici. Entre les deux. Ok. On avait le tour. Oh bah si, c'est mignon. Attends, mais c'est Harry Potter. Oh bah si, c'est sympa. Non?
Tu devrais définitivement te reconvertir dans le paysagisme zoologique. Condition que ce secteur existe. Non, c'est pas moi. C'est pas moi le meilleur, hein. Clairement, hein. Mais c'est mignon. Ah oh bah j'aime beaucoup. Hein, ça. Même eux, ils admirent le lampadaire. Non, ils se lavent pas les mains, c'est pas vrai. Ils admirent. Une petite lumière. Oh, c'est très sympa. C'est que je pense qu'au final, je vais mettre... Le problème, c'est que je vais pas avoir la lampe torche. Hein? Mais pourquoi je peux pas... Il faudrait 4 là. Cinq, ça me va. Bon, vas-y, ça va saouler. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me faire le petit plaisir de... fermer tous les coins avec ces petits murets, parce que franchement ça rend bien. Et comme ça on va pouvoir mettre les petites lumières partout. La poubelle, je vais la laisser. Je vais mettre pause. Ah, pardon. Dun, 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 dun. Ok, la poubelle elle m'a saoulé. Sympa. Ouais, trouver un truc à mettre là-dedans, une déco. Après, on n'est pas obligé de mettre une déco, hein. C'est vrai. Vous avez raison. Là, je vais laisser comme ça. Et ici, du coup, on pourrait venir... délimiter aussi là. C'est sympa en vrai, parce que du coup, ça fait... Bah ça fait les bords de route, quoi. En sachant que j'ai pas mis sur la route, j'aurais pu aussi. Mais... trop tard, quoi. Là, je vais continuer parce que c'est l'arrière du bâtiment. Ça nous intéresse pas. Au final, je suis venu là. De base, je m'étais dit, je vais pas venir me fermer là, mais...
Pas très gênant. J'ai la télé qui s'est bien veille. Je rallume. Tac. Ok. Alors où est-ce qu'on n'a pas... Ici c'est ok. Là du coup c'est ok. Là c'est ce qu'on a rajouté. Tac tac. De ce côté-ci c'est les champs, donc c'est pas gênant qu'il n'y ait pas de lumière. On pourrait éventuellement venir... venir fermer un truc comme ça, je sais pas trop comment. Ici, il va falloir faire quelque chose. C'est trop... C'est trop vide pour rien. Re-Mathilde, incroyable, 8 heures de live. 8 heures de live. Ah ouais, bah écoutez, on est sur Planet Zoo, c'est le problème de Planet Zoo. On est parti dessus et puis après, on se sent plus quoi. On avance. On se dit, tiens, on fait ça. Ah bah tiens, ça serait pas mal de faire ça. Ah mais pourquoi pas faire ça aussi. Et puis après, bah... 8 heures après, on y est encore. Ah, c'est bien, ça fait du contenu pour la chaîne de, principale. Pour les vacances, comme ça, les gens qui n'auront pas été sur le live, bah, vous avez un petit peu de vidéo. Ouais, je vais mettre comme ça. Pourquoi pas en vrai. C'est à peu près correct. Je vais le mettre en bas, lui. Hop là, complètement dingue. Prise de risque. Lui, je vais le décaler par contre, parce que là, c'est pas bien. Bon, ben révolte. Quoi? Pourquoi révolte? J'ai failli sursauter. Une charrette. Ah, c'est vrai qu'une charrette, ça pourrait être pas mal. On va regarder. C'est vrai qu'une charrette ça pourrait être pas mal, parce que j'étais en train de me dire peut-être on va remettre un champ, mais j'étais pas très convaincu. Mais l'idée de la charrette me plaît. On pourrait essayer de trouver un truc dans le genre, effectivement. C'est pas mal ça, bien vu. Oui, vous dites que je suis bon, mais en fait c'est vous. C'est vous qui donnez des idées de génie. Je ne fais que faire ce que vous dites. Un peu proche. C'est pas grave. La perfection est dans l'imperfection. Ça donne un vrai effet, hein, les petits murets avec les lampadaires, enfin avec les petites loupiottes là. Petites bougies. Ça a vraiment un truc, hein. Ça ferait presque peur. Hein. Non, parce que le jeu, on le critique sur bien des aspects, mais bon, n'empêche qu'il est beau. Hein. Allez-moi ça. Un petit... Attends, on regarde pas, on ferme les yeux. Hop. Déjà, ça rend bien. Hop, on descend. Petite vue d'en bas. Ah, ici, ça manque de trucs. Ici, ça manque de trucs. Et là, ça manque de trucs aussi. Même là, au final, on pourrait venir mettre du muret. Là, on pourrait mettre du muret, en vrai.
te comprends, j'adore ce jeu également, très prenant perso. Là sur mon zoo, j'essaie en ce moment de faire les câbles électriques en hauteur à l'extérieur pour faire plus réaliste. On a galère. Bon courage. Beau projet en vrai. Eh, ça rend vachement bien de nuit, hein. Cette vue là fait rêver, hein. Regardez avec la cascade là-bas dans le fond. On aurait presque éclairé la cascade. Est-ce qu'on éclaire la cascade? Attends, on finit le tour. C'est bien. Le fait au final d'avoir enfermé la zone, ça rend encore mieux. Tu te sens un peu dans un cocon, je trouve. Ah, il y a un monde fou dans le cocon, mais... Ouais, c'est validé. Hein. C'est validé. Hein. Ah, attendez. La cochère va avoir des bébés. Service. Non, c'est pas service, c'est construction. Peu trop. Wow, attends, la puissance de la lampe. C'est un peu éblouissant, non? Vache, je suis amusé. On peut modifier sa puissance? Même pas. Un peu excessif. Mais bah, tu vois, j'aime pas. J'aime pas. J'imaginais autre chose. J'imaginais autre chose, un truc qui permettrait d'avoir un côté un peu lumineux. Mais on va repasser en plein jour. Waouh, ok, on a perdu les tympans. Les tympans des yeux. À quelle heure on jouait. À 14h, la luminosité est belle. Une de tes plus belles zones. Bah merci beaucoup. J'avoue que j'en suis quand même assez satisfait. J'aime l'oignon frit la ville, j'aime l'oignon quand il est beau. J'aime l'oignon frit la ville, j'aime l'oignon. C'est bugué. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Je ne peux plus bouger la cam. Ah, ça y est, putain. C'est peur. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Comme ça, parce que même si on met rien derrière, ben, du coup, ça décore. Même là, on voit un peu. Hein.
Et là, faut sécuriser un minimum. T'as quand même une voie ferrée à côté. Bon, un peu moyen, quoi. Et là, je vais mettre un petit truc. Parce que ça rend pas mal non plus. Pas mal, hein. Je suis tellement concentré. Ok. Très bien ça. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon. Hop, camarade, hop, camarade, hop. Je suis content parce qu'on a pris les bâtiments sur le workshop, certes, mais on a réussi à en faire quelque chose quand même. C'est le coin de toilette. On est quand même toujours plus rassuré quand il y a la lumière et quand on va aux toilettes. Excellent. Beaucoup mieux comme ça. Là, cette allée, je vais la changer. Ou pas en fait, hein. Faire un... Voir que on voit qu'il y a un passage, quoi. Ça fait une demi-heure qu'on n'a pas eu de médaille. Il y a dû laisser aller. C'est vrai que c'est plus ce que c'était. Ah, ça rend bien. Alors du coup, ici, on va regarder petite charrette. Pourquoi pas, en vrai, hein. Nan charrette, Asie charrette. Route chariot. Une charrette, c'est une charrette.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à côté? Paille? Pot de fleurs empaillées? Jardinière? Indonésie. Attendez. Pas deux fois. J'étais sur ballot de paille. Pas deux fois. Le français a gagné à la boxe. De travers. Que ça fait bon, ça ok. Regarde conservation parc en transe dans le workshop. Attendez, tac tac tac. Conservation parc pack en transe. Je vous affiche ça. Conservation d'homme en transe fence pack. C'est sympa. Ça, c'est le genre de barrière que j'avais en tête pour les chevaux. Mais j'avais aussi la flemme de le faire. Conservation. Pack. Zoo en transe. Attends, mais... Ah, bah une brouette! Ah ouais, une brouette plutôt qu'un chariot. Ouais, c'est sympa. Hein. Petit potager, là. C'est très sympa. C'est très sympa, et du coup, on va peut-être repartir sur... Pachou. En construction. T'es en train de me dire, ça pourrait être pas mal de faire. Écoute, je vais regarder. Brouette.
Oh, je suis parti dans du détail. Un petit récupérateur d'eau, c'est sympa en vrai. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais. Comment on appelle. Comment on appelle terreau? Comment on appelle engrais? Enfin, pas l'engrais, mais. C'est ce qu'il y a sous la terre, quoi. Quoi? Décoration, drapeau, décor. C'était plus ça que je voulais en fait. Il y en avait. Le truc sur lequel on met les choux. Vous savez, quand on met des plantes. Je vais mettre une palette ici. Un petit arrosoir. Un tuyau parce qu'on sait jamais. Et on n'est pas là pour bien ranger. Hein. C'est histoire de décorer le coin. Ah bon, je vais pas retrouver ce que je voulais. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire à l'ancienne. J'ai mis le râteau dans mon sens. Je l'ai mis avec les dents vers l'extérieur, comme ça si tu marches dessus, tac, dans la tronche. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on apprécie fortement. Quoi. Il y a d'autres trucs, genre carottes ou un truc comme ça.
vois pas trop l'intérêt de planter une carotte, du coup, parce qu'on a l'impression que y a une plante, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme salade? Salade, y a pas. Salade, chou, carotte, pomme de terre, ça va être sous terre. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de... Du pastèque. Bah tiens, regarde. Après, la pastèque, non, elle est pas sur pied, quoi. Un fermier ferait jamais ça. Écoute, on n'est pas fermier, on est... On travaille dans un zoo. Voilà. C'est très sympathique. C'est très sympathique. Ça me semble ok. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas fait. Et ça, c'est quand même une sacrée boulette. Les boîtes de... Les boîtes de long, franchement... Faut penser à en mettre. Hein. Si on veut rentabiliser l'exploitation animalière... Il faut mettre des boîtes de loin. Et en sortant, tac. On n'hésite pas. Je t'ai pas pu, il y avait quelqu'un devant. T'avais quelque chose de l'autre côté. En face aussi, tu pouvais. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Je vais pas mettre à l'intérieur des enclos parce que je suis pas fade. Boîte de dons si t'as estimé que les toilettes étaient propres. On prend aussi. Peut-être pas en plein milieu comme ça. On prend aussi. Ok, du coup là on a fait. Hop. J'ai pas mis de. J'ai pas mis de distributeur ici. Hop. Les chevaux. Forcément heureux de voir des chevaux. Quand on est heureux, on donne des sous. Voilà, on a fait le tour. Il y a des oignons. Ce serait sous terre, on les verrait pas. On peut regarder, on peut regarder. Il n'y a pas l'oignon. Après, il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est... Baston, baston. C'est la zone du travail de travail. Parce que la zone de travail, il nous faut forcément, je crois.
une salle de repos. Et ça, on n'en a pas. Salle de personnel. On doit en avoir une là quelque part. Ferme. Ferme. Zone de quarantaine. Efficacité. Inefficace. Comme ça, ça fait plaisir. Là, il y a eu un bug. Inefficace. Je comprends pas. Je comprends pas. Lâche. Je comprends pas comment ils peuvent considérer que c'est inefficace. Attends, mais il y a plein de bâtiments qui ont été supprimés aussi. Et franchement, qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi? Donc on découvre que maintenant on a plus certains bâtiments. Quoi, tu m'étonnes qu'on avait autant de blessés et tout dans les animaux. On n'avait plus de veto. C'est dommage qu'il n'y ait pas de salle du personnel. Peut-être mettre celle-là en vrai, toute petite. Si je peux la caser quelque part. Ça, on a une salle du personnel. Hein. C'est pas trop dans le thème, mais en même temps, ça reste vert. Donc ça me choque pas.
Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est mon écharpe qui marche plus, là, ou quoi? Ça se fait que je peux pas... Système de vouloir nous emmener là où on ne demande pas d'être. On ne dira rien. Oh là là, échappe, ça marche plus. Terrain. On suit le tracé, il nous emmène à l'autre bout de la planète. Nous, ce qu'on veut, c'est être là où on a cliqué, de préférence. Je sais que ça peut surprendre. Tac. Et du coup, dans... Oh là là, mais échappe, ça marche plus. C'est peut-être d'avoir changé de clavier. J'en sais rien. Zone de travail. Ferme. Modifier. On ajoute ça. On a la salle de personnel. Ok. Non, mais échappe, mon échappe ne marche plus. Ou alors c'est... Oh ouais, non, ça marche plus. Des gens. Des gens qui font rien. Pas de zone de travail. Ferme. T'es quoi, toi? Vétérinaire. Ferme. Non mais attends, mais... Asie entretien. Plein du Serengeti, bon voilà. Amérique du Sud. Arctique. Bilop. Procronion. Inde. La montagne Asie. Attends, mais en fait, il y a... Enfin, on manque, quoi. Groupe. On manque de veto, hein. Pas de zone de travail, toi, je vais te mettre à la ferme. Bon, là, c'est les soigneurs, hein, donc... on va en ajouter plein. Ok. Bonsoir, Théo, comment vas-tu? Ok, formateur, on en a pas. Mécano. Faut que je refasse un tour complet de tout ça en vrai, parce que ça a pas l'air de... Pas l'air d'être très propre. Hein. Bon, deux mécanos dans la ferme, c'est l'argent suffisant. Agent de sécu, bon voilà. Agent d'entretien. Ferme. Vendeur, vous faites ce que vous voulez. Je crois que c'est tout. Tac, tac, tac. Ok. Normalement, les choses devraient fonctionner. Eh bien, écoutez, ça tombe pile poil. On est à une heure un peu passée de vidéo. Et on a officiellement fini notre zone ferme.
Et ça fait plaisir. On va pouvoir entamer une nouvelle zone qui sera probablement la zone Europe. Parce que j'ai bien envie d'installer les cerfs, les sangliers, etc. Mais ça, ce sera dans 3 semaines, quoi. Minimum. Minimum 3 semaines. Sachant que du coup, on va augmenter la hauteur ici du terrain pour que la montée là soit un peu moins raide et donc la descente moins raide aussi. 8h42 de live. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On ne peut pas atteindre à cause de la configuration de sa zone de travail. Suivant. Suivant, c'est enfin, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Accéder au point de nourrissage, ça je veux bien. Et Linda, bon d'accord, je suis d'accord avec toi. D'accord, elle est coincée. Bon, je t'aide. Je te mets ici. Je n'ai plus d'énergie, trop c'est trop, il y a 19 ans. Ça fait 19 ans qu'elle est coincée là. Alors, en tout cas, Linda, si je peux me permettre, je t'augmente. Ah, si, je te mets au max. Non, parce que franchement, t'as passé 19 ans ici, à aucun moment tu t'es dit, je vais marcher dans le gazon. Non, jamais. Tu respectes les jardiniers. Tant pis si tu meurs de faim. Tant pis si t'as pas de zone pour te reposer. Tant pis si tu es seul pendant 19 ans. Tu respectes le gazon. Et ça, franchement, ça mérite une augmentation de salaire. Bravo. Bravo, Linda. Temps d'inactivité 99%. Temps passé à se déplacer 1%. Ah, t'as pas passé les 19 meilleures années de ta vie. Je m'en excuse, Linda. Sache que... je m'en veux. Savalezo, il a 239 ans. 19 ans, c'est rien. Quand même. Beaucoup, quand même. Bref, on s'arrête là du coup pour cette vidéo. Merci YouTube de l'avoir regardé. Fin de la zone ferme. Bah on est satisfait. Franchement, ça rend bien. Je suis assez content. Je suis assez content. Bisous à vous du coup. Merci YouTube. Je sais pas dans combien de temps on se revoit YouTube parce que bon, j'ai enregistré quelques vidéos, mais bon, il y a 2 semaines de vacances plus une semaine de boulot en déplacement. Voilà. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais la France a gagné face à l'Argentine? Incroyable. Bien joué la France. Bien joué la France. Et puis, bah, bisous YouTube. Merci encore. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Royal Viking Replay. Il y a du contenu également, notamment une aventure extraordinaire sur City Skyline 2. Trop bien ce jeu. Et bah, bisous à tous. Deuxième aventure, City Skyline 2, parce que la première, on apprenait à jouer. Mais sur la deuxième, trop bien. Bisous à tous, bonne journée. Et à la prochaine. Allez, ciao.